Paris. Bien le bonjour, bien le bonsoir, tout dépend de quand vous regardez le stream ou la vidéo. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Retour vers le passé en ma compagnie, sur le jeu Oddworld, l'Odyssée d'Ape. Donc ici, oula, on va reprendre où on est arrivé. Il me semble qu'on est quand même à la moitié du jeu. Ou un petit peu moins. Je vais quand même vérifier un truc. Ouais, non, ça a l'air bon. Bon, là, il faut que j'aille récupérer. Très bien. À peine 3 minutes de stream, il y a déjà un mort. Et donc, de ce que j'ai bien vu, parce que j'étais bloqué à cet endroit-là, il faut retourner en arrière. Non, d'abord, non. Il faut d'abord enlever ceci. Voilà. Comme ça c'est bon. Je sais pas si en faisant ça c'est bon pour revenir en arrière. Non. Donc là je suis obligé de sauter. Deuxième mort après 4 minutes. Et là moi je dis c'est la faute à la manette. J'avais appuyé avant. Donc là, on y retourne. Voilà. Donc là, je prends l'élan, je saute. Oui, j'avais oublié, il y avait des chauves-souris là, donc je suis obligé d'aller. Maintenant, quoique, je suis peut-être pas forcément obligé de détruire le. Enfin, de l'arrêter tout de suite. Bon, écoutez, on va faire plus simple. On va aller à gauche. Voilà. Non, j'espère que je peux retourner au tout début. Ah, bon, d'accord. Par contre, pourquoi il me suit? Oh, il m'énerve, hein, cette bestiole. Je vais demander, je vais dire qu'il attend. Ouais, voilà, comme ça, il me dérange plus. Au cas où, ça peut toujours servir. Si ça y va à prendre, voilà. Donc là, il faut. Allez. Ah, et par contre, non, ça, il faut pas de mot de passe, il le dit avant. Salut, salut. Voilà, comme ça il me donne le pouvoir pour pouvoir exploser les mines. On descend. On descend.
Je pense qu'il se fout de moi. J'avais appuyé encore une fois sur le triangle. Maintenant, est-ce que je l'ai toujours sur moi de pouvoir? Non. Ah si, toujours. Impeccable. Ah, donc il était là. Ah, mais je l'ai plus. Ah merde alors. Donc ça dure vraiment un certain temps. Ah, bon, on va y retourner. Hein. C'est le problème, si je l'ai plus. Allez, on saute. Hein. On y croit. Pas de problème. Donc là. Salut, salut. Je vois ça, j'ai mal fait. J'étais échoué trop vite. Salut. Ok. Allez, donne-moi le pouvoir. Voilà, hop, c'est parti. Je suppose qu'il faut aller vite alors. Ah non, c'est pas par là. Non, c'était pas par là, c'était pas par là, c'était pas par là. Ah non, il faut que je saute. Parce que je vais garder. Donc j'étais un peu trop près de la cible au-dessus. Donc là, voilà. Ah, je l'ai encore, merde, je l'ai encore, je l'ai encore. Descends, descends. J'ai pas vu d'aller encore. Donc là, il faut que je fasse ça. Et voilà, non, c'est bon. Et il croit que je vais pas aller le taquiner. Ah, je peux pas aller à droite. Oh bon. Tant de détruire, on détruit. Hein. Par contre, je vais voir à droite. Donc j'ai plus besoin du... de celui-là. On va quand même s'amuser, allez. Voilà, ça je l'ai arrêté. Ouais, de toute façon j'en ai plus besoin. En fait, il sert à rien. Ah, ici, ouais, c'est pour le détruire de là. Ah. Donc là, il faut sauter. Hop. On va récupérer le mode de passe. En fait, là, j'avais été. Ah, par contre, je sais parce que j'ai pas fait gaffe. Donc, en bas, deux fois de haut.
Ah non. Donc c'est une fois en bas, une fois en haut, deux fois en bas et la flatulence. Et au cas où, on va aller récupérer le Kiroshi. Ah c'est une fois en haut. Ah c'est parti, vers le bas là. Alors en bas. Non, donc Tofi, j'ai besoin du... de ce truc là. Parce que je peux pas passer comme ça. Ça m'étonnerait. Ah, parce qu'il y a les chauves-souris. Ah non, de toute façon, ça passait pas. Je suis certain, ça passait pas. Bon alors il faut ici, il faut... Allez, on va refaire le truc. Hein. Mais je comprends pas en fait. C'est là, ok. Je comprends pas en fait. C'est même si je passe avec le... aller plus loin de toute façon avec la bestiole. Soit on va essayer là. Je comprends pas trop en fait. C'est pour aller où ça? C'est pour aller au tout début alors. Ok. Donc là on grimpe. Ah oh bah bon, de toute façon on verra bien, hein. Je vais avec la bestiole, on verra bien. Ça, vu que je peux pas... Ouais non, ça je dis, vu que je peux pas y aller. Ah ou alors le ch... Ah, j'ai peut-être compris. Fallait le temps. En fait il faut... donc je monte, avec le ch... L'élévateur... Enfin c'est un élévateur à main... Il faut... Voilà. Ouais, ok, j'ai compris. Eh ben dis donc, il n'a pas eu le temps. Donc là, je peux descendre tout en bas. Non. Ah non. Ah merde, j'ai pas vu que... Bah non, je peux pas aller en bas. Ah, donc j'avais raison. Donc comment je fais pour monter avec... Ça m'étonnerait que ce soit avec l'autre. Ah bah si. Donc quoi, ouais, donc il va me dire qu'il me suit. Voilà, c'est parfait, je monte. Donc le mot de passe je connais. C'est vraiment tout con en fait le truc là. Non, je veux voir si je peux le faire en étant dessus. C'est plus simple. Voilà, comme ça au moins je me prépare. Alors, mot de passe. Je pense que je dois aimer mourir souvent, je pense.
maintenant c'est quoi que s'il est déjà là avec le... Parfait. Donc là, on va faire une petite course. Voilà. Mouais. Bah, par contre, je peux mourir. J'aurais dû laisser la bestiole au-dessus. Donc ça, je peux laisser ici, il faut que je descende. Donc là, c'est sauté au moment. Donc c'est au moment où il termine sa course vers la droite qu'il faut que, voilà, je saute. Je pensais que la bombe allait bouger en fait. Et qu'au final, non. Bah au moins je suis arrivé là. Donc là il faut que je grimpe jusqu'au dessus. Et sa petite danse. Et rien. Et à gauche, est-ce qu'il y a quel ennemi? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, donc en faisant ça. Ah, ça si je le fais pas. C'est bon. C'est marrant. Donc là je peux redescendre. Là je redescends. Je grimpe. Et bien bonjour à toi Phoenix Twitch. Bienvenue. Alias Tauvin. Je vais bien, merci, et toi? On va. On va aller en douceur. Ah, le problème, il vaut mieux qu'il reste là-bas. Je préfère, donc. Alors, attends, là. Donc, moi, je vais discretos. Ah! Donc il faut que je fonce en fait. Alors le jeu c'est Oddworld l'Odyssée Day, parce que c'est un jeu qui est sorti sur PS1. Je serais même pas te dire si t'étais déjà né à ce moment-là, je sais que je connais pas ton âge. Il est sorti en 97, le jeu là. C'est pour ça que c'est du jeu rétro. C'est un jeu assez énigmatique, tu avances de plan en plan et tu diriges un petit extraterrestre du nom d'Ep. Bon par contre là, il faut aller, je vais courir donc. Ah quoi que. Non. Donc c'est pas la bonne solution. Ah bah donc ouais, t'avais un.
Ça fait un an que le jeu était sorti. D'accord. Par contre, comment je pourrais... Je vais tenter un truc, mais je pense que ça va... Ah si, ça fonctionne. Ah! Par contre, les bombes là, ça va me déranger. Ah, quoique, peut-être que ça pourrait fonctionner. Je vais attendre que le truc là passe. C'est risqué, mais je vais tenter. Ah oui, c'est ça. Donc. Ah, je me suis trompé. Ouais, c'est en fonction de la manette, ça peut. Le personnage peut faire autant de. Des bruits différents. Et ici, c'est un genre de. De code. Ah, je me trompe. Je me trompe, donc. Salut, ça, ok. Donc en bas. Donc, je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc là, normalement, ça me permet de. Voilà. Donc la loi, la voie est libre. On va aller chercher. Ah, quoique. Vu qu'il y a la bestiole à côté. On va attendre un peu. Ça, c'est peut-être pour inverser. Merde, y a quelqu'un. Donc là, c'est peut-être pour retourner au tout début. Ah non. C'est encore mieux. Donc là, quand j'invoque en faisant L2 et R2, il peut entrer dans l'esprit d'un ennemi comme celui-ci. Je peux tout faire avec l'ennemi, donc tout ce qui est dialogue. Et encore ici. Mais je peux aussi tirer. Donc ici, on va essayer d'éliminer son collègue. Lui. Donc là. Comme ça, si au cas où, avec la bestiole, on devrait passer par là, mais au moins, il va pas nous gêner. Et là, en faisant L2, R2, maintenu, on le fait exploser. Donc là, je peux retourner chercher la bestiole. Bien sûr, en essayant de pas tomber. Parce que des morts ici, tu risques d'en voir par centaines. Avec, surtout avec moi. Voilà, ici on va continuer vers la droite. Encore une fois. Encore une fois. Ici on saute. Voilà, on va voir ce qui nous attend. Ouais, non, ici donc on est obligé de le laisser ici. Et de grimper au-dessus. Là. Oula, oula. Salut. Là, je pensais pas qu'il allait quand même venir sur moi. Non, est-ce qu'il faut que je m'abaisse? Salut. Salut. Attends, on va. Voilà, non, ça. Je réfléchis de comment je pourrais l'éviter en faisant. Parce que c'est justement l'invocation qui me permet de faire exploser de. Je vais quand même aller voir à droite, même si je pense que je vais faire une grave erreur. Qui était une grave erreur.
Heureusement qu'il n'a pas fait gaffe. Bon, bah là on va essayer de faire. Donc c'est déjà pas ça. En fait, je me concentre en essayant de ne pas me faire toucher. Donc c'est. Ça va. Ah ben j'ai vraiment eu de la chance parce que... Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Salut. Donc là, ça c'est pour faire exploser les murs tout autour. Voilà. Maintenant, bon, je vais peut-être redemander son invocation à lui. Peut-être que plus loin il y a des mines à faire exploser. Donc, ça c'est comme tout à l'heure. Bon, ici on va tenter juste à courir tout le temps, courir, sauter, courir, sauter. Ah, quoi que, ouf, putain, j'ai eu peur. Bon, ça va, je pouvais me permettre de tomber. C'est bien, celle-là, ça me permet justement de passer les ennemis. Donc, les Scrabania, si je dis bien, foulent les terres de Scrab, qui sont aussi les lieux d'épreuve des anciens Mudokon, déjoue les pièges mortels de Scrabania et évite les méchants Scrab pour découvrir ton destin au cœur du temple. D'accord. Ce qui, on va dire, va être pas être évident du tout. Donc là, en fait, ça me fait retourner en arrière, non? C'est ça? Ah non, je dois recommencer. Voilà. Si c'est mieux que tout à l'heure, ça devrait aller. Ah, donc c'est ça. Phoenix, si t'es toujours sur le chat, est-ce que tu peux me dire si le son entre le jeu et le micro est bon? Parce que j'ai dû le régler plusieurs fois. Donc c'est pour savoir si tout est bon. Par contre, si je fais ça, ça fait quoi? Ah, c'est bien, ça me permet de passer au-dessus. Le problème c'est qui? Ah mais quoi que, peut-être qu'il faut le faire. Ah ben voilà. Par contre, je sais pas si tu m'as entendu, donc je vais faire un message.
Voilà, comme ça au moins. Donc ici je peux pas utiliser d'invocation parce que je vais te montrer. Celui au-dessus, voilà, il m'envoie une petite décharge pour dire non, tu peux pas. Je ne peux pas. Ok, j'ai pas de rocher sur moi. Par contre j'entends un bruit suspect donc ça me... Ah non, c'est bon. J'allais dire ça me... J'avais complètement oublié qu'ils peuvent me tirer de là où ils sont. Et ne pas oublier bien sûr aussi, vu que j'y suis, je vais donc supprimer l'ancienne sauvegarde et je vais re-sauvegarder à l'endroit où je suis arrêté. Voilà. Donc là, on peut continuer notre chemin. Ok, c'est bon, ben merci. Ça, moi, je sais. Hop. Ah, les freins étaient pas assez bons. Donc je sais qu'il y a une bombe pas loin à désamorcer. Ah oui, si vu que tu es là, que tu es souvent présent sur mon stream, je vais t'envoyer le planning que je décide de faire à partir de maintenant. On va essayer de le plus en respectant le plus possible, mais ce sera pour le, en tout cas pour le streaming, ce sera ceci. J'aurai trois programmes qui seront faits sur ma chaîne. Comme ça, tu sais plus ou moins les heures. Donc là, voilà, là, ils sont là, il faut passer. Il faut vraiment être synchro. Par contre, là, ça risque d'être embêtant quand même. Très bien le panier. Ah ben merci. Oui, j'essaie justement de vous proposer des commandes très très simples, et de montrer vraiment sans complexité tout ce que je peux faire sur le stream et que ça vous convienne aussi. Comme ça, pas de problème. Par contre, là, ça m'embête. Parce que sauter, je pourrais pas. J'ai deux mines. J'ai même pas de rocher pour les faire exploser. C'est embêtant. Et là, si je fais ça, le fils, on m'en empêche. Ça m'embête. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait une mine là. Ça m'embête. Donc là, ça ouf. Oula, ça tire, ça tire. Voilà. Je vais tenter, hein, je vais tenter, mais je suis sûr que ça... Mais il me tire de où, là? Il est caché derrière le rocher, il arrive à me tirer dessus. Donc voilà, on repart... Donc là, ok. Ah si, c'est bon. Yeah. Ah. Ah donc je peux sauter 3 mines. Ah bah. Je suis à la moitié du jeu, je ne savais même pas. Peut-être que je savais, mais que j'ai oublié. Ce qui arrive très souvent aussi d'ailleurs.
Et si tu veux, je vais te faire aussi la... Je pense que je te l'ai déjà donné, mais si tu souhaites, c'est la liste des jeux PS5 que je compte faire sur ce stream. Quand je compte faire et peut-être même refaire, hein, ça, y a pas de souci. Mais j'essaierai de trouver aussi de nouveaux jeux pour varier aussi. Hein. Je vais pas toujours faire mes jeux à moi. Ah ouais, faut vraiment qu'il se retourne du côté gauche. Donc attendre. Ouais. Donc là, on est reparti. Oui, c'est un jeu très répétitif. Hein. Ça, ça, je te le fais pas dire. Donc là, il faut que j'attende. Ah, passe. J'ouvre la porte et voilà. Ah tiens, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Parce qu'il y a quelques émissions de cela, j'avais un style de mission avec plein de portes à faire. C'était pénible à faire. Et j'imagine, vu la progression dans le jeu, ça risque d'être pire. Donc voilà. Mais bon, on va le faire, hein, on va le faire. Hein. De toute façon, on est quand même obligé de... Enfin, je suis obligé quand même de le faire. Donc, je n'ai pas le choix. Passons, moi, le but de ce jeu, c'est de terminer, pas forcément à 100%, mais de terminer jusqu'au bout. De terminer à 100%, je pense qu'il faut libérer tous ses amis, collègues. Et je pense que je suis déjà mal beurre parce qu'il me semble que j'en ai tué un ou deux. C'est pas fait exprès. Ça m'embête. Et je vois déjà ça, ça m'embête. Je sais même pas s'ils peuvent monter. S'ils peuvent sauter, je pense que oui. Ah non. Par contre, si moi je ne saute pas, ben là ça risque d'être compliqué encore une fois. Mais bon, s'il y a des rochers à prendre, c'est qu'il doit avoir ou une bombe ou... Ou peut-être attirer son attention, je ne sais pas. Alors, il y avait une bombe. C'était donc une bombe. Alors, ça c'est donc... pour activer les genres de cloches. Donc ça, ok. Mais il faut que j'active aussi la torche. Qui est donc surveillée par l'autre. Ça m'étonne qu'il ne met pas... Comment je vais faire là? On va tenter, hein. Ah bah oui, voilà, c'est de bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il va faire son... Voilà. Voilà. Ah, bien le bonsoir, monsieur Dajonk. Comment on va? Ah non, j'aurais pas dû.
Ah mais s'il reste là. Je vais attendre qu'il se retourne, qu'il re... enfin, que ça tourne, qu'il repart vers la droite et je vais. Ah non! Ah je pensais qu'il allait continuer. Bah écoute, oui, ça va. En mode repos aujourd'hui. Je sais pas ce qui va m'attendre demain. Si la grève est prévue ou pas. Et si ça risque de durer plusieurs jours. Mais sinon, la santé est bonne. Et toi donc? À part, bien sûr, ton fameux mollet. Ah, je vais mourir. Ah non. Ok. Bah oui, trois fois en plus, c'est sûr. Enfin, si rien ne change, c'est prévu. Parce que je pense que la, ah bah, la réunion est à, était justement à 5 heures. Donc j'espère qu'on aura des nouvelles et savoir ce que ça va revenir. Parce que je m'imagine mal me réveiller demain matin, de préparer mes affaires, et de me dire finalement, enfin d'aller directement là-bas et de voir finalement qui est impliqué. Ce sera embêtant, mais bon. Non, je vais trop vite. Oh, et heureusement qu'il ne m'attaque pas tout de suite. En tout cas, il y a de la force. Hein. Alors oui, ça va bien. Vais voir le médecin pour un traitement adéquat pour mon mollet. Ouais, oui, là, je pense qu'il est bien plus que nécessaire. Raté, la mère. Bon, allez, on va faire ceci. Bon, mon petit Dadjong, vu que toi aussi tu es un habitué de mes streams au quotidien, je me suis imposé maintenant un planning que j'essaie de que je vais essayer de respecter le plus possible. Donc, je vais t'envoyer. Ou alors tu peux faire toi-même. C'est tu tapes point d'exclamation planning et tu auras le planning concernant mes streams que je compte faire sur que je compte faire ici. Programme, enfin les émissions, programme, etc. Donc c'est point d'exclamation, planning. Ah, t'as oublié le N entre le I et le G. C'est planning. C'est planning, comme on pourrait dire. Voilà, parfait. Donc là, tu auras vraiment. Donc j'aurai trois émissions, trois programmes que je compte faire du lundi au dimanche. Et donc le Club Pro, bien sûr, le vendredi et samedi soir. Maintenant, ça sera tout en fonction de quand je termine le boulot. Si j'ai des. Enfin, si on a, nous, on a des matchs prévus IRL. Ou voir des sorties ou autre, hein. Donc tout peut arriver. Mais c'est ce que je vais essayer de faire à partir de maintenant. Donc on va supprimer l'ancienne sauvegarde. Et là, par exemple ici j'ai commencé pas forcément à 17h, mais j'ai commencé à 4h30. Que sur mon planning j'avais mis 17h, donc c'est vraiment... on va dire 17h c'est vraiment l'heure principale, parce que j'ai le boulot avant. Ici, vu que j'avais pas le boulot et que bon, voilà, j'avais envie de commencer plus tôt, je pensais plus tôt. Pour vendredi, ah ben vendredi, je l'ai mentionné. Hein. C'est le Club Pro, j'ai mis les vendredis et samedis. Je sais bien que nous, enfin nous, cette semaine-ci, on a un match de jeudi soir. Ah. Alors, réfléchissons.
Ah, il m'a l'air bien énervé, hein. Il m'a l'air bien énervé. Donc là, je vais attendre qu'il aille vers la gauche. S'il veut bien. Ah! Ouais. Dis pas que je le fasse deux fois. Oui, oui, je sais que tu reçois les notifs, mais c'est au moins savoir vers quoi tu vas. Enfin, sur quoi je vais streamer, quoi. Ça se peut, il y aura peut-être. Un de mes programmes qui t'intéresse pas forcément. Par contre là, il y a un truc que je comprends pas. J'actionne la manette une fois. Ça ne fait rien. Je fais une deuxième fois au cas où, ça ne fait rien. Donc ne dis pas qu'il faut que je le fasse trois fois. Ah bah tiens, ça j'avais déjà oublié. Comme quoi. Bon, comment ça se passe donc ici? Je vais sauter direct pour voir. Non. Ah mais j'ai pas vu. Ah non, merde. Non, j'ai pas vu. Ah, au secours, au secours. Maintenant, il y a une plateforme là-bas, mais... Où est-ce que j'ai voulu sauter, là? Mais c'était dans l'autre... Bah non, à chaque fois, il me fait revenir là. Enfin, on va essayer, hein. Bah non. Ok, pas de soucis. Bon, hop. Alors là, par contre, ça me dérange parce que je fais la manette, ça fait rien. Et je fais comment? Si je fais ça, ça ne fait rien. Et ça, c'est à l'arrière quand même. Oui, il y aurait un passage. Bon, qui sait, ou alors qui serait vraiment. Enfin, le tuyau à l'arrière, quoi. Bah non. Ouais non, là j'arrive pas à comprendre ce qu'il me demande de faire. Voir que tout à gauche aurait un passage. Non. Non, bah alors je vais mourir. Bah écoutez, ce niveau-ci, je vais le faire plus tard. Donc le deuxième, je le ferai plus tard. Donc on va faire celui d'en dessous. Ah, commence fort et il y a une bombe. Faut descendre. Si on descend. Ah. Ah oui, d'accord. D'accord, bon bah. Le gars, il peut me voir de là. On va attendre que la bombe passe. On va attendre que la bombe passe. Et moi je vais aller trop vite. J'attends vraiment la dernière seconde alors que je devrais attendre encore un peu plus. Donc là je peux descendre. Je fais donc ceci et hop.
Là, on saute. Nice. Ah, je peux pas l'activer comme ça. Bon. Raté. Ça m'embête. Bah en fait, à n'importe quel moment que je veux faire tomber le bloc, enfin le... la boule en pierre, là, bah Toffee s'en tire dessus. Ça m'embête. Oula, tout juste. C'est le problème, je sens qu'il y a quelque chose que si je fais pas ça, que je vais essayer d'aller tout droit, aller vers la gauche quoi, il y aurait quelque chose qui va faire que je devrais retourner en arrière et je vais me faire buter. Parce que je vois pas l'intérêt alors de la manette, ou alors, pas du levier. Du levier si... D'ailleurs, d'office ils font les mêmes pas. Ah, enfin. Donc là, à ce moment-là. Ça m'embête. Heureusement qu'on a des... Oula. On a des vies à l'infini dans ce jeu. Bon. Donc. Il faut que je me cache. Ah, mais je peux l'utiliser. Là, on va s'amuser. Ah, c'est tout. Ah, tiens, c'est marrant. Ah, mais il y a peut-être un petit problème là. Oh. Ah, bah ouais. Ah oui. D'office je sentais. J'aurais dû me mettre de l'autre sens. Pour l'ennemi, comme ça je tirais directement sur les chiens. Ah merde, j'étais... Oula. Alors là... C'est un clip à faire. Parce que je pensais pas du tout que je pouvais me rattraper là. Mais il m'a fait juste 2 petites secondes. Voilà. Bon, allez, on recommence. Donc en fait, il faudrait que les deux soient du côté gauche. Merde. Ah putain. Ça m'énerve. Pourtant je sais ce que je dois faire maintenant donc... Bon on va réessayer pour voir.
Oh oui, magnifique. Je pense qu'en speedrun, ils doivent l'utiliser, ça. Je ne sais pas. Ah, tu sais pas, mais tu vas te buter. Ah, aïe. Bon là. Pardon. Il faut que... Donc à ce moment là, quand il sera de l'autre côté... Maintenant. Ah purée. Pourtant il me voit au-dessus, donc il aurait pu tirer au-dessus. Il est nerveux. Assez synchro. Je ne sais pas. Mais merde, putain. J'avance trop vite. Voilà. Donc là, pas oublier qu'il faut que je fasse le levier du côté 3. Donc comme ça directement quand c'est allumé je peux tirer. Ah bah dis donc il y en avait autant. Bon là on va tuer son collègue. Et je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à part... de le faire suicider. Donc ça c'est le mot de passe pour pouvoir quitter l'endroit. Bah, je pense que c'est bon, hein, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ah oh, bah c'est ça. Donc là il va faire son petit jeu de notes. Et voilà, ça en fait déjà 2. Attendez juste 2 secondes, voilà. Donc on a déjà réussi 2 sur, donc il y en a combien ? 2, 3, 3, 3, 3, 6, il y en a 8. Donc on va aller à celui d'au-dessus, à droite. Bien sûr, je vais sauvegarder avant de rentrer. Donc on va, comme toujours, supprimer l'ancienne sauvegarde, parce que sinon je les accumule et ça se remplit. Et qu'avant, sur une carte mémoire PS1, on pourrait mettre que 15 dessus. Ouais, parce qu'avant, ça s'appelait, enfin, on possédait des cartes mémoire. C'est pas qui était intégré directement dans la console comme un disque dur. Et on faisait avec ce qu'on avait. Et dès que t'avais plus de place, bah, il fallait racheter une nouvelle carte ou alors supprimer des anciennes sauvegardes. Mais bon, des fois tu as envie de les garder bah, en souvenir ou de dire qu'on a terminé les jeux. Donc voilà. Ah non, pas les chauves-souris, non, pas les chauves-souris. Ah, les chauves-souris, merde, merde, merde. Quand j'ai vu les petites silhouettes là, je me dis, je me sentais mal. Donc là, il faut courir. Monter tout de suite direct, passer. Là-bas, rien. Si c'est juste sauter.
Ah merde! Je ne pensais pas qu'il allait sauter tout de suite. Donc chauve-souris et la grosse bestiole. Donc là, on fait ceci, on saute. Non, ah, j'ai... Ouf! Alors là... J'ai vraiment eu de la chance. Ah, donc ça, c'est la sortie. Ah ouais. Et comment je fais? Donc en fait, il faut que je... Stop ici. D'accord. La manette là, je suis sûr, c'est un piège. C'est certain, il faut que j'attende qu'il soit à gauche. À droite, pardon. Voilà. Mais il manque quelque chose. Ouais, d'office, il manque un truc. Il manque le mot de passe que j'ai pas eu. C'est ça, le mot de passe, je l'ai pas eu. Quand même vérifier, mais normalement, non. Non, je l'ai pas eu. Ah, c'est ça qui me manque en fait. Attendez juste une petite seconde. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est ce fameux... Enfin, c'est de la main qu'on puisse savoir le mot de passe. Mais le problème, le tuyau, je peux plus y aller, hein. Il me semble. Bah non. Donc le niveau, bah, ça sert à rien que je continue le niveau. Ça sert à rien. Parce qu'il manque un, il manque un truc. Je vais le refaire depuis le début. Ah, peut-être à gauche. Ah bah ouais. J'avais oublié. Des fois c'est tout con, hein. Et vraiment le petit détail. Donc maintenant je sais comment faut faire, donc ça, ce n'est point un problème. Donc là on saute, là on va vite ici, on... Ah merde, il a pas su sauter. Ça m'embête, ça j'aurais aimé qu'il saute. Est-ce qu'il va aller de l'autre côté, ça je suis moins sûr. Non. Bon, faudrait que j'attire l'attention. Voilà. Donc là, je fais ça, je saute. Voilà. Et on va retourner. Ben, donc là, ça va. Donc je vais attendre qu'il retourne vers la droite. Ah
Voilà, et c'est parti. Et normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc ça en fait maintenant 3. Et bien voilà. On progresse, on progresse. Doucement mais sûrement. Donc ça en fait 3. Donc encore une fois, par sécurité. Chaque épreuve que je réussis, je vais sauvegarder juste derrière. Donc voilà. Donc supprimer. Et je sauvegarde. Voilà. Et donc on va attaquer quatrième épreuve. Bon. Merde. Donc ça c'est bon. Non, je suppose qu'il faut que j'aille à gauche. Donc là, on va attendre. Ah oui, mais vraiment, c'est juste jusqu'au bout. Donc il faut encore que j'aille à gauche. Donc on va attendre qu'il passe. Oula! Ah ouais, j'étais pas mal de me faire encore plus. Ah oui, quand même. Même entre frères. Eh ben ça fait 4 épreuves terminées. Et encore une fois. Et ça va, celle-ci a été quand même assez rapide. Je suis content. Donc on va supprimer cette sauvegarde. Et on sauvegarde ici. Donc là on va attaquer le... Enfin la cinquième épreuve. Bon, tout bêtement on va essayer de faire ça. Ok, ça me fait retourner en arrière. Ah oui, c'est vrai, il continue. Ah oh, esquive. Maintenant, est-ce qu'il faut que je descende? Je suppose que oui. Pas sûr que c'était la bonne solution, mais... Ah non, il y a de la... Oh. Ah, quoique, si tu sautes... Si il saute là, ça fait quoi? Oula!
Donc ouais, j'étais obligé d'aller à gauche. Comment je fais pour grimper au-dessus? Je pensais par rapport à la manette qu'il y a au début. Je pensais ça. Ah merde, mais il est là. Merdouille. Bon, on va tenter, hein. Non. Donc la manette là permet d'activer un autre mécanisme. Lequel? Donc par la gauche, il n'y a rien. Donc là, ça me permet de revenir au début. De toute façon, c'est des choses à tester. Ouais, là. Voilà, passe au-dessus de lui. C'est pas, ben moi non plus. Donc ça, on va faire, on va lever. Donc je cours. Ouais, donc celui-là il va être quand même plus compliqué. Hein. Ça va. Oula, par contre, si j'essaie de tomber là. Ça, vu qu'il n'est pas activé, je reviens juste là, donc non. Donc je suis obligé de descendre. Ah mais j'ai peut-être une... Ah mais si, j'ai une idée. C'est tout con. J'attire son attention. Par contre, veuillez m'excuser juste 2 secondes.
Ouais, veuillez m'excuser, j'ai eu un petit appel téléphonique de la part d'un de mes collègues. Bon, on va reprendre. Donc ici, il faut que j'essaie de l'attirer. Voilà. C'est tout con. Comme ça. Je peux. Ah merde. Non, c'est bon, je cours. Je peux activer la manette. Enfin, ceci facilement. Voilà. À ce moment-là, je peux sauter là, pas de problème. Voilà, je grimpe. Et normalement, ils vont se tuer l'un l'autre, donc. Ah là, par contre, ça m'étonne qu'ils se tuent pas l'un l'autre. Et je souhaite la bienvenue à Blazexy22. Bienvenue sur le stream. N'hésite pas à te manifester sur le chat. Voilà, par contre là. Donc là, c'est comme d'habitude. Il me poursuit. Je passe comme ça. Je passe au-dessus de lui. Voilà, je passe de l'autre côté. J'ai le son de cloche pour pouvoir sortir de cet endroit. Faut que j'active la torche, bien sûr. Voilà. Et normalement, si tout va bien, j'ai fini ce niveau. Bah, tout d'abord, j'attends que la bestiole. On va du côté gauche, comme ça je descends, je prends le chariot. Et ici, vu qu'il n'y a plus d'ennemis, tranquillou, je me place juste là, je fais l'invocation. Vu que je connais le son de cloche, il va le faire tout seul. Voilà. Qui va permettre d'ouvrir la porte. Paf. Donc là, il ne reste plus que 3 épreuves à faire sur les 8. Et c'est le troisième que je ne sais pas pourquoi je risque d'avoir beaucoup de mal. Parce que je vois pas du tout comment je pourrais passer déjà, même sur le premier plan. Bon, là, il faut que je descende. Ben là, je suppose qu'il faut que j'aille à gauche. Donc je vais attendre qu'il retourne à droite. Voilà. Ouh, il est déjà là. Là, ils vont se s'entretuer comme d'habitude. Je vais attendre que ça se fasse. Voilà. Je sais pas pourquoi je sens que c'est quelque chose qui va me. Que je vais regretter, mais je vais tester. Salut, salut. Suis-moi, ok. Ouais, je sens que c'est quelque chose que je vais regretter. Je sais pas pourquoi. On va tenter, hein. Ah non, bah non. Ça arrive dans ce genre de jeu, c'est que t'as des possibilités pour pouvoir. Il pense qu'il peut s'échapper d'une autre manière, mais en fait non, c'est un troll. Donc c'est vraiment pour dire tiens, je t'ai eu. Et voilà. C'est ce qui vient de m'arriver. Là, par contre, comme d'habitude, allez vers la gauche. C'était. Ouf, tout juste.
Oh là 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 là. Alors là, c'est vraiment de la synchronisation pure. Bah là, j'ai peur de tenter, je vais attendre qu'il aille vers la droite, au coin à droite. Comme ça, je saute. Comme ceci. Ah non, non! Ah, ah non! Ah, j'étais trop vite! Je pense que quand même, dans la vraie vie, il aurait pu sauter, mais bon. C'est un jeu avant tout. On va refaire la même manipulation pour chaque. Donc là, on court. On accroche. Là, ils vont se battre. Je vais passer par au-dessus. Voilà. Tac, c'est bon. Il me semble que je l'avais activé. Ça. Ah bah non, c'est celui-là. C'est ça. Donc là, on va demander le mot de passe donc avec le son de cloche. Voilà, donc on va aller vers la droite. Ça fait un autre ennemi en moins. Donc là, il faut que j'aille à gauche. Là, je pense que ça sert à rien que j'y aille, mais bon. J'ai vu que c'est un troll. Ouais, non, c'est un troll. Donc là, je peux redescendre. Est-ce que je me pends? Est-ce qu'il va m'attaquer? Il m'attaque. Donc là, j'ai une chance de te tuer comme d'habitude. Maintenant, je pourrais faire. Ah, mais rentre dans la porte! Oh, mais purée! Il restait plus qu'à sortir de là. M'énerve. Et je devrais faire depuis le début. La prochaine fois, j'irai vraiment en marchant. Ouais. Là, on va activer la torche. C'est une cloche. Ça ici, il est trop vite. Oh là là, allez.
Donc là, il ne me reste plus que deux épreuves. Ah oui, bien sûr. Ne jamais oublier la sauvegarde. Donc comme d'habitude, on supprime l'ancienne. Sauvegarde la nouvelle. Attendez juste 2 secondes. Donc je reprends le jeu. Voilà. Donc ici c'est l'avant-dernière. Qui dans la logique des choses devait être la dernière, mais la deuxième épreuve, je ne sais pas comment m'y prendre. Donc là, comment ça se passe? Ah merde, c'est bon, j'ai foutu. Donc là, pour faire plus simple, on va directement aller à droite. Non, ça va, on va dire les épreuves sont pas si compliquées par rapport à aux autres épreuves d'avant qui étaient, je trouve, assez compliquées parce que enfin, je pense qu'il fallait beaucoup plus réfléchir. Ici, ça va encore. Donc là, ils vont se tuer entre eux. Dab. C'est le temps quand même. Au moins ils vont se tuer entre eux, je vais... gauche. Ah. Voilà une autre phase troll. Bon bah alors on va à droite. Et merde. Donc non, c'était pas une phase troll. Ça, ça avait vraiment quelque chose. Donc là, on remonte. Passons la torche à l'allumer. Donc ça sert à rien que je descende ici. Je sais même pas si je peux vraiment descendre. Avec. Ouais donc ouais. Je peux pas faire mieux. Donc. Par contre, un truc que je comprends pas, c'est pour. Ah c'est pour le cacher, je pense. Je pense que c'est juste ça.
C'est quand tu veux, hein, garçon. Hop. Voilà, on y va. Ah, il était encore là, celui-là. Là, par contre, ça fait chier. J'aurais aimé qu'il soit plus là. Donc là, on va attendre qu'il se détruise l'un à l'autre, comme ça, je suis sûr. Comme ça, il sait où je suis. Ah, ça au moins. Je suis. Il va rester là, je fais descendre le collègue. Donc là, je peux déjà préparer à la roulade. Je le fais descendre. Je le refais remonter. Mais sans lui. Il passe par là. Dans la logique des choses, il resterait plus que deux. Sauf s'il se détruit, ça fait plus qu'un. J'espère qu'un seul. Parce que deux dans le même chemin, c'est impossible. Ah, donc ils sont bien là. Dès qu'ils vont se tuer. Ouh, j'ai peur. Dès qu'ils vont se tuer entre eux, je saute. Voilà. Et on est parti. Et donc là. C'est bon. Donc il reste plus qu'une épreuve, mais qui est pour moi, ou alors c'est que j'ai vraiment pas fait gaffe. Mais vraiment pas du tout. Il me semble qu'il est assez compliqué. Donc là, on va sauvegarder en supprimant d'abord l'ancienne. Je sauvegarde la nouvelle. Et je vais juste regarder un petit truc. Ah, donc... équipe de groupe Sina. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien dans le jeu? Je suis dans le jeu. On va faire la dernière épreuve, mais que pour moi, je sais pas où aller. Ah non, mais. Ah, mais je suis bête. J'ai fait la touche du haut alors que je devais avancer. Réfléchissons, donc il y a une manette qui se trouve à gauche. Mais il y a un passage à droite. D'accord. Donc dès qu'on fait ceci, on revient là. Donc pour moi, il faut que j'active la manette pour pouvoir activer le tuyau à droite. C'est la seule manière que je vois à faire. Bon, j'attends qu'il se passe tout à droite. Voilà. Je vais activer la manette. Je saute. Ici. Voilà, il me ramène là. Moi, à part ça, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, donc... Enfin, je vais m'excuser, mais je vais regarder sur YouTube, parce que... Là, je vois pas du tout comment je pourrais faire, donc... Alors, c'est... Oddworld...
Voilà, ça. Bien sûr, je couperai le son, hein, vous inquiétez pas, c'est juste voilà. Donc moi, j'étais arrivé. Il faut que je trouve le niveau. Donc j'étais arrivé là. Donc les scraps, ça oui, d'accord. Voilà, donc le premier il est fait, le deuxième, ah voilà, je regarde le deuxième. Alors le deuxième, comment il fait son niveau? Donc. Donc il active bien la manette. Ah mais donc je bug. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est activer la manette et directement sauter et aller là-bas. Mais je vois pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc je me suis pas trompé. Ouais, c'est évident, à part ça. Et là, bizarrement, il le fait. N'importe quoi. Donc là, on le sait. Donc là, il faut que j'aille... Ah, bien bonsoir, X-Tony. Comment vas-tu? Donc là, il faut que je passe au-dessus de lui. Ceci. Ah oh, non, c'était bon. Ah, c'était pas bon. Là, ça fonctionne, d'accord. Bon, donc là on va aller à la droite. Non, il y a presque, non, il y a presque, j'ai dit. Voilà. Ah bah ça va très bien, je te remercie. Et tiens, vu que tu es présent, je me suis depuis aujourd'hui, je me suis imposé un. Je vais faire pause. Je me suis imposé un planning que je compte faire pendant toute la semaine. Et que ça va sur la durée. Peut-être quelques modifications, ben ça on verra bien. Mais au moins j'ai une base. Donc en fait, si tu fais. Si tu tapes sur le chat point d'exclamation planning, tu auras le planning de ce que, comme je dis, de ce que je compte faire dans la semaine. Donc il y a bien sûr toujours retour vers le passé. Il y aura du FIFA en club pro. Et j'ai instauré maintenant un troisième qui est donc le GTRP, que je vais essayer de plus m'investir dans ce jeu-là aussi. Donc tu auras les horaires, les jours, et je vais essayer de respecter le plus possible. Tout en fonction du boulot, en fonction de mes activités extérieures, etc. etc. Donc là, il faut que je saute directement dans le tuyau. Ah, mais attends. Ah, non, je peux pas aller. Comment je peux faire ça? Voilà, faut que je descende. Oh. Oh, ça va être pénible ça. Faut que je descende. Faire ceci. Et directement, il va m'amener au-dessus. Ah, non. Donc, oh, ok. Ah, non, je vais mourir. Ah, bon, comment je vais faire ici? Parce que le tuyau de gauche. Ah, bah faut que j'aille tout à gauche. Ah, mais merde.
Donc si... Voilà. Ah, j'avais cherché ça, voilà. Donc tu as tout le planning de pour l'instant les horaires que je compte faire sur les jeux que j'ai proposés. Pas que je compte faire. Par contre, là. Ah, bah à chaque fois il fait tomber dans le trou, dans le tuyau. Je vais pas aller dans le tuyau. Ouais, faut que je tombe sans forcément sauter. Donc faut que j'attende que le monstre revienne en dessous de moi pour pouvoir y aller. Mais ça sans courir parce que si je cours, je vais dans le tuyau. Donc faut quasi que je saute comme un... Voilà, comme ça. Hop, et puis je pars. Et par contre, si je saute là-dedans... Ah. Là, je dois monter. Hop. Activer ça. Non. Ah, je peux pas monter. Ah non, j'ai peut-être compris. C'est pour aller au tuyau, pour aller encore plus haut. Si je dis pas de bêtises. Donc pour aller plus haut, il vaut mieux que j'aille de l'autre côté. Pas encore plus haut, non? Ah non, rien à voir. Alors là, rien à voir. Donc là, il faut qu'il aille à gauche, s'il veut bien. Par contre aussi concernant les jeux PS1, il y a un jeu que je vais refaire en live parce que j'avais eu un souci de sauvegarde, voire même de quête qui m'a pas permis de pouvoir terminer le jeu comme je voulais. Donc c'était le premier Tombi, je compte le refaire. J'espère sans bug. Bon, attends, on va essayer. Il y a un truc au-dessus, mais pour y aller, je sais pas comment je peux le faire. Ah bah c'est sûr, parfait. Donc ça, c'est ok. Maintenant, si je fais ceci, est-ce que ça va me ramener au-dessus? Ah. Donc, je suis obligé de. Ah oui, à chaque fois. Oh putain, à chaque fois. Donc là, je fais comme ça. Je vais à gauche. Je vais là-dedans. Est-ce que ça va changer quelque chose? Donc là, non, ça change rien. Donc c'est aller à droite, je comprends. Ah, mais non, ça me ramène là. Comment je fais pour tourner au début? Ah, peut-être que là, je peux sauter. Ou pas. Ou pas du tout. Donc ça va, c'est pas encore compliqué à faire. Juste la bestiole qui est un peu chiante. Et... Grimpe, hein, s'il te plaît. Bon, bah alors on va réactiver la manette, on va sauter, on va grimper, on passe là, on fait ceci, normalement c'est bon.
On va refaire tout le parcours. Donc là, il faut connaître la mélodie. Donc là, il faut que j'attende qu'il passe. Descendre, voilà. Hop. De toute façon, je peux pas retourner en arrière. C'est vu que la porte est fermée. Donc, dans ce moment, en ce moment-là, je suis obligé de descendre normalement. Le gros tuyau là, non. Bon, ça sert à rien que j'y aille. Ouais, l'officier me fait revenir en arrière. Ah, à chaque fois, je le fais. C'est le petit saut que je fais. Bon, bah, on va attendre. Et j'espère, dès la dernière épreuve ici, je compte m'arrêter. Sinon, je fais entre 1h30 et 2h de live concernant cette émission. Je pense que c'est quand même assez bon. Donc là, on saute. Je sais pas comment je peux aller ici à gauche. Si je saute, il veut pas. Et si je fais ceci, bah d'office je vais pas dans le tuyau. Donc ouais, faut que j'aille normalement. On va essayer, mais attendez. Attends qu'il passe. Ah non, ça va. Ça ne va pas. Au cas où, X-Tony, si tu as déjà fait ce jeu-là, si tu peux me donner un petit coup de main, un petit conseil concernant ce niveau-là, je suis preneur. Hein. Par contre, dépêche-toi. Surtout vers la fin, donc je sais pas comment aller au-dessus. Tout à l'heure, il y a quelque chose, mais il n'y a pas du tout un passage. Donc là. Non, peut-être déjà ici, je peux déjà faire. Alors, après que tu as allumé le feu, retourne écran de gauche. Ok, d'accord. Je vais attendre qu'il passe. Donc ici je l'allume, on voit que la porte derrière se ferme. Donc faut que je retourne à gauche. Donc je vais attendre, je peux aller maintenant. Donc là je suis retourné à gauche. Est-ce qu'il faut que...
J'active quelque chose ou... Parce que normalement il faut pouvoir aller tout au-dessus où ce qu'il y a genre de... quelque chose qui permet justement de s'accrocher. Donc là... Normalement ici je dois savoir monter, maintenant je sais pas comment. Donc utilise attrape l'écran du bas quand le scrap part à droite et tu prends le tube. Donc utilise attrape écran du bas. Ouais, donc aller normalement quoi, c'est ça. Ah non, j'ai peut-être compris. J'ai peut-être compris. Faut tant que la pièce tombe, comme on dit. Je pense que j'ai peut-être compris ce que tu veux me dire. Donc on va refaire du début. Hop. Donc là, c'est pas compliqué. Là, hop. Oh non, 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 non. Tout juste. Moi, j'ai peut-être compris. Bon, là, comme d'habitude. Le petit train-train. Au cas où si je réussirais pas, je le ferai une prochaine fois, c'est pas... Ouh, c'est pas dramatique. Donc là, hop. Je fais le tour. Donc là... On va faire ceci. Bon, ça va dire que je connais. Donc là, j'attends qu'il aille à gauche. Voilà. Ouais, c'est vraiment, il faut être synchro, mais hyper synchro pour dans ce jeu, c'est incroyable. Donc là, ok. Là, j'attends qu'il se mette à droite. Et après je refais de la même phase que tout à l'heure, donc je tombe de la genre de trappe et je vais à gauche pour prendre le tuyau. Si c'est ça. Donc ici pareil, donc ici je fais ceci. Je tombe dans le tuyau pour passer de l'autre côté. Alors je fais ceci. Et comme ça. Ah non, c'est pas ça. Donc alors il faudra peut-être réactiver ça. Activer ça. Donc quand il ira vers la droite. Voilà. Tac. Ah ben voilà. Ouf. Il fallait tenter que ça tombe. Hein. Mais en tout cas, merci. Merci Xtony. Ah ben voilà, c'est parfait. Donc, vu que j'ai terminé toutes les épreuves, je vais passer la porte centrale. Normalement, elle doit s'ouvrir. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Voilà, donc ici, je vais sauvegarder. Et je poursuivrai. Donc, pas demain, parce que demain, ce sera... Bon, attends, je vais me poser là. Ce sera du Medieval, parce que vu que je disais que j'avais je switchais avec, avec deux jeux. Donc ici, on va sauvegarder. Je sauvegarde ici, voilà. Et donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Bon, alors je tiens à remercier ceux qui sont passés sur le stream, qui m'ont laissé un petit coucou. Donc, Dadjonk, il y a eu Phoenix Twitch, et bien sûr, l'un des plus fidèles aussi, Xtony.
Je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo aussi. Donc, le programme pour plus tard, ce sera donc du GTA RP à partir de normalement 21h environ, pour ceux qui le veulent. Et pour ceux qui veulent continuer à suivre les épisodes de Retour vers le passé, ce sera donc demain entre 17h et 21h, ça dépend du boulot, etc. etc. Et sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout dépend du moment où vous regardez le stream, dans quel pays, etc. La vidéo. Et je vous dis à la prochaine.